Weedy song, feed the love, feed the fire, weedy fire, weedy fire, sigh, I am, weedy fire. C'est l'idée. Il a un cheval, il s'est monté dessus, voilà. Donc le père Cross va quitter le village. Alors son inspection va durer à peu près 3-4 jours. Et on va dire qu'il vous. Il vous dit que si au matin du cinquième jour ils sont pas là, faut commencer à vous inquiéter. Commandez à vous inquiéter, quoi. Voilà. C'est pas comme Gandalf, hein, il va pas arriver avec seulement. Des rohirrim. Voilà, c'est que quand même, c'est un peu longué cette histoire. Éventuellement, venez les chercher. Il vous. Okay. Il on en verra. Laissé... Il vous aura laissé un plan. Du parcours prévu avec tous les endroits où il a identifié une habitation et il pense passer tout simplement et laisse donc le village entre vos mains ainsi que évidemment celle du forgeron qui est la petite star locale actuellement et comme c'est plutôt le genre de personne à déléguer des tâches hein, et que vous lui avez montré que vous êtes de temps en temps capable d'être responsable, il va vous demander un petit service. Il va vous demander de vous occuper de cette histoire de réfugiés. Les gens qui sont venus vivre sur le côté d'Ament et que en votre absence, les villageois n'ont pas laissé rentrer et ont parqué dans des petites tentes, une espèce de campement sauvage. Aux frontières de la cité. Vous avez toujours, si vous en avez besoin, la petite carte. Vous souvenez comment on la retrouve ? Onglet numéro 2 sur la droite, menu déroulant, Ament. Voilà. Vous avez la carte du village qui va éventuellement vous aider. Le père Cross vous souhaite simplement bonne chance. Parce qu'en plus, ça, il ne vous cache pas que ça l'arrange, parce que c'est cette histoire de réfugié, ce côté empathique avec les gens, enfin voilà quoi. Il vous invite simplement à essayer de trouver si ces gens-là sont honnêtes dans leurs propos, dans leurs intentions, et est-ce qu'ils peuvent être d'un... On va dire d'un quelconque intérêt pour le village. Est-ce qu'ils ont des talents qui pourraient être mis à profit ou est-ce que ça va juste être des parasites qu'il va falloir nourrir pour rien, en gros. Alors, éventuellement, hein, c'est pas parce que c'est des parasites qu'il faut les chasser à coups de pied hors du village, mais si vous avez besoin de force vive et que potentiellement il pourrait en être, si ce n'est que vous suspectez bien évidemment que c'est la voie rêvée pour qu'un espion puisse rentrer dans le village et apprendre des informations sur votre organisation. Et après avoir salué le village, qui le conduit jusqu'à la porte, il est donc derrière Roy sur son cheval. Attention à la gargouille bizarre. Vous les regardez s'éloigner, K1KA sur la route. Et vous voilà tout seul. Je ne cache pas que cette histoire d'empathie avec William en second me fait un peu peur. Ouais, Althea te décroche son plus beau sourire. Ouais, je comprends tes réticences. On les interroge en mode gentil flic, méchant flic. Je fais le méchant flic, c'est ça. Je sors mes dagues. Chouink, 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 chouink. Autour de vous, les villageois commencent à se disperser pour retourner à leurs occupations classiques. Blague à part, il faudrait peut-être trouver quelqu'un qui connaît bien le coin.
Genre quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui pourrait un peu... Quelqu'un qui serait né dans ce village et aurait grandi ici toute sa vie? Ouais. Avec un regard inspectant sur William. Non, mais moi, je suis un sauvage par la personne. Une vingtaine d'années dans la ville. Un bon gros vieux des familles qui connaît tout le monde depuis très longtemps. Et... Ouais, un autre. Ils sont morts. Un autre. Mais dans quel objectif? Beaucoup sont morts. Hein. Et donc, dans de vérifier un peu ce que pourraient dire nos amis. Ah, d'accord. D'accord. Quelqu'un qui pourrait attester, poser les bonnes questions, dire tiens, tu connais le père machin du village bidule. Voilà. Mais t'es là pour ça? Bah, ça n'a pas été le plus sociable. Est-ce que je peux être là pour ça? Voilà, ça n'a pas été le plus sociable des habitants pendant son enfance, autant dire que les alentours du village. Ce que je veux dire, c'est avec le temps qu'il a passé à l'auberge. S'il a pas appris à entendre les gens parler des environs, je sais pas qui nous faut. Oui, mais a-t-il écouté? Écouter, ça veut pas dire que t'as parlé aux gens. Non, j'ai plus écouté la mousse faire des bulles dans mon boc qu'autre chose. Tu auras beau faire du forcing, Altea, malheureusement, William est la dernière personne du village. Être capable. Intéressé au village. Voilà, c'est clairement. Curieux que ça te surprenne encore, mais c'est le cas. Bah, c'est un peu désespérant quand même à chaque fois, tu sais. Ah, toi aussi, tu trouves. Mais... T'as toujours l'espoir que peut-être un jour un truc l'a intéressé. Et... Non. Alors, je ne te cache pas que attendre la même chose en boucle de quelqu'un qui n'en est pas capable, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Tu veux dire poser toujours la même question et s'étonner de pas avoir un résultat différent, ce serait un peu... Ouais, voilà, par exemple. Ouais, par exemple. Ouais, c'est, ouais. C'est... Quelque part, c'est un peu vain. On va dire ça comme ça. C'est un peu vain. Les gens ne changent pas, et surtout en si peu de temps. Et surtout sur leur passé. Vous allez finir par dégoter le villageois le plus à même de confirmer ou d'infirmer des propos qui seraient un peu géographiques. Du genre, je vis à tel endroit, et qu'est-ce qu'il y a à tel endroit, le type il décrit, et voilà. La personne puisse vous répondre. Je vais donc vous coller dans les pattes un ancien chasseur. Donc un mec qui s'est pas mal baladé pour ramener du gibier, un forestier en fait. Mais plutôt sur le retour. Plutôt qui a... 20 ans de chasse dans les pattes, qui maintenant ne peut plus opérer, qui est donc un boulet pour la société, mais qui a des connaissances. Et voilà. Et qui va accepter de vous accompagner. En parlant de boulet, moi je sais pas combien j'entraîne dans cette affaire. Bon, allons-y. On les interroge où? On va les interroger dans leur magnifique campement, je pense que c'est encore plus simple. Je pense pas, il vaut mieux pas qu'ils entendent ce que les uns et les autres racontent. Ouais, tu veux le faire séparément? Oh oui. Remarque que ta maison, Altea, est une des plus proches de la sortie du village. Ça tombe bien. Hein. Donc on pourrait les inviter un par un, comme ça. Ça, c'est marrant, parce que quand tu sors des phrases comme ça, on a du mal à savoir si c'est la caméra qui fige... ou si Altea est vraiment immobile. Non, absolument pas, c'est juste qu'elle réagit pas. D'accord. Oui, non, bof. Eh ouais, on peut faire ça. On doit avoir une salle. Je sais pas qu'il y ait des gens chez moi. La question est aussi, le manoir du Vult est dans quel état à l'heure actuelle? Ils ont commencé à le débâtir. D'accord. Pour mettre à nu les fondations. Ah, mais on n'a qu'à se servir de l'auberge, pour l'instant elle sert à rien. On n'a pas d'aubergiste. Non? On n'a pas d'auberge non plus. Le bâtiment est en mauvais état, de ce que j'ai compris. Le bâtiment, il est mouru? C'est pas le premier qui a été reconstruit, je lui ai donné. Voilà, c'est ça en fait. C'est, le bâtiment est dans un état acceptable. Alors effectivement, le bâtiment sert à rien. Mis à part accueillir des réunions publiques, en quelque sorte,
Mais comme il est au centre du village, il a été restauré. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est sur la carte, sinon il n'y serait plus. Tous les bâtiments que vous voyez sur la carte sont effectifs. Parce que ce serait mieux, ça donnerait en plus un petit côté officiel au truc, quoi. Alors, je préférerais, Althea, éventuellement, que si espion il y a dans ce camp, il n'ait pas l'opportunité de voir la globalité du village en le traversant pour aller à l'auberge. Ok. Bien à contre-cœur. Ouais, il pâtit un peu. À l'idée que des va-nu-pieds crottent les tapis de sa maison. De toute façon, tout le monde enlève les chaussures en rentrant, hein, je préviens. Mettez les patins. Vous vous rendez devant le campement. Les petites tentes sont là. Alors, quand je dis campement, c'est quand même très léger. Il n'y a pas 20 personnes. Hein. En tout et pour tout, les deux miliciens qui surveillent le campement depuis la palissade en bois vous explique qu'il y a 6 personnes. D'accord. Voilà, il y a 6 personnes. Vous avez 2 femmes, vous avez 2 hommes et vous avez un enfant. Ah, il n'y avait pas une femme qui avait 2 enfants ? Mal retenu. Un enfant. Si jamais j'ai dit 2, oublions, il y en a un. C'est une petite fille. Un enfant, donc 5. Il y a 5 personnes. Trois hommes. Ouais, pardon. Effectivement. D'accord. 3 hommes, 2 femmes, un enfant. Ok. Qui est une petite fille et qui appartient à une des femmes. Voilà, exactement. Il y a une mère et sa fille qui sont arrivées ensemble. Il y a un type tout seul qui est arrivé, qui s'est un peu, par la force des choses, qui est un peu devenu le chef du campement, parce que c'est le plus âgé, parce qu'il a l'air assez expérimenté en survie, c'est-à-dire que c'est lui qui organisait un peu tout, qui fait un peu figure paternelle, quelque sorte. Il y a un autre type qui arrivait tout seul, beaucoup plus jeune, qui est très discret, très soumis, il obéit à la majorité, il pose pas de questions, il se fait pas remarquer. Et il y a un couple, un homme et une femme, qui sont arrivés ensemble, qui ont à peu près la trentaine, qui sont assez dynamiques, assez entreprenants. C'est-à-dire qu'au niveau du camp, ils sont plutôt organisés, ils mettent plutôt des trucs en place, plutôt proactifs. Mais les miliciens peuvent pas vous en dire plus parce qu'ils ont reçu des ordres et les ordres étaient de ne pas se mêler à ces gens-là et de ne pas leur parler parce que parfois on parle et on dit des choses qu'il fallait pas dire. Donc ils n'ont pas eu de contact, on leur amène à manger. On pose à manger et on s'en va et on les laisse se débrouiller. Ok. Ouais. Les miliciens n'ont rien entendu de particulier, vu de particulier. Non, ils vont te dire non. Ils sont particulièrement touchés par la petite fille. Parce qu'elle a vraiment, elle a peut-être 7 ans, 8 ans. Et c'est un peu un crève-cœur de la voir dans ce campement alors qu'il fait encore froid dehors. C'est quelque part, et c'est un peu le cas dans tout le village. Hein. Le devenir de ces réfugiés, ça fait beaucoup discuter. Et évidemment, les humains étant ce qu'ils sont, il y a 2 camps. Il y a un camp plus égoïste et plus prudent qui dit qu'on n'a pas besoin d'eux et que c'est pas notre problème. Et il y a un camp plus humaniste mais plus risqué qui trouve inadmissible, ne serait-ce que pour l'enfant et au moins les 2 femmes. Vous avez toujours ce petit avantage, mesdames. Vous apitoyez plus facilement les gens que les hommes. Comme les chats. C'est l'idée.
C'est l'idée. Voilà. Et C'est ça. vous n'avez, peu de temps que vous avez passé au village, vous n'avez pas été sans entendre, effectivement. Il y a des conversations autour de la table, dans les rues, en buvant une bière, où on parle de ces gens-là, quoi. Et effectivement, pour le coup, le père Croze a raison, c'est un truc qu'il faut résoudre. Parce que ça peut s'en venir. Ouais. Donc vous descendez la petite volée de marches naturelles qui conduisent vers une sorte de cuvette dans laquelle ils sont installés. On les a mis là justement pour qu'ils soient un petit peu isolés et facilement surveillables d'en haut, qu'ils aient pas le champ libre. C'est vrai que quelqu'un qui voudrait partir du campement, par exemple, eh ben, il est obligé d'escalader une sorte de petite pente de cuvette. Et il peut pas partir juste les mains dans les poches. Et le meilleur moyen d'en sortir, c'est d'emprunter le petit chemin que tu es en train de descendre. Donc c'est assez facile de contrôler la plupart des accès. Évidemment, tout le monde vous voit descendre. C'est pas très discret. Ils reçoivent pas beaucoup de visites en plus. Et ils vous connaissent pas. Vous les voyez sortir de leur tente un par un, se regrouper en masse assez compacte. Vous diriez qu'ils allaient voir, on dirait presque une famille. Comme s'ils avaient fini par sympathiser de leur mésaventure ou de leur présence ici, mais en tout cas ils sont, il n'y a pas entre eux d'inimitié. Vous n'en voyez pas un qui est dans un coin tout seul, il n'y a pas de clan, ils sont tous un peu soudés dans ce qui leur arrive. Vous voyez donc, comme on vous l'a décrit, un bonhomme qui doit approcher de la cinquantaine. Barbu, cheveux qui commencent à grisonner, qui se tient un peu devant tout le monde, vêtu de vêtements en fourrure et peau de bête qu'il a dû faire lui-même. Il a une hache au côté, il a un couteau de chasse le long de la jambe, et il a une posture assez droite, et ça a l'air d'être un type assez musclé, assez en forme. À côté de lui, vous avez un alors jeune homme, il est plus âgé que vous, il doit approcher la trentaine à peine, beaucoup moins taillé. Ah, le vieux. Pardon. Beaucoup moins taillé, beaucoup plus fluet, un peu plus craintif peut-être, un peu plus qu'est-ce qui va encore nous tomber sur le coin du nez, comme si vous vous apportiez des mauvaises nouvelles. C'est un peu ça. Vous avez l'impression qu'il s'attend à des mauvaises nouvelles. Il y a un homme et une femme qui se tiennent la main, qui ont la trentaine un peu passée, qui n'ont pas l'air d'être des travailleurs manuels. Et ça se voit à leurs vêtements. Ils ont des vêtements qui sont, alors, dans un état pas top, mais assez bien taillés. Qui ont dû à une certaine époque être des vêtements classiques de citadins plutôt que de ruraux. Derrière tout le monde, il y a une femme qui doit approcher de la quarantaine, qui tient dans ses bras une petite fille, qui elle-même serre très très fort une petite poupée de chiffon. Vous arrivez à quelques mètres d'eux. La plupart ont un petit hochement de tête dans votre direction. Bonjour à tous. Un flot de bonjour te répond. Nous venons vous voir pour essayer de régler votre situation. Nous savons que votre campement ici n'est pas des plus confortables et nous avons nous-mêmes traversé des moments difficiles, donc nous pouvons imaginer ce que vous avez vécu. Mais aussi parce que nous avons vécu des moments difficiles, nous ne pouvons pas nous permettre d'accueillir n'importe qui, n'importe comment. Alors, nous allons devoir avoir un entretien avec chacun d'entre vous séparément. Et de façon à pouvoir nous assurer de ne pas avoir de mauvaises surprises. Parce que nous n'aimons pas du tout les mauvaises surprises. Le vieux monsieur, on va l'appeler comme ça, fait un pas en avant vers toi,
Il n'y a pas beaucoup de gens qui te dépassent d'une tête, mais lui, il te dépasse d'une tête. Il te tend une main. Bah, je lui tends la main. Voilà. Il a une voix assez rock. Il a une voix assez, assez brute. Il te remercie en tout cas. Te confirme que ça commençait à faire un peu long. Il est persuadé que tous les gens derrière lui trouveront leur place. Et que ce sont tous des gens bien. C'est ce que nous espérons. Donc, si vous voulez, je peux commencer. J'allais vous le proposer, ça tombe bien. Mais par contre, je vais vous demander de bien vouloir laisser vos armes aux miliciens avant de nous suivre. Pas de problème. Vous remontez les petites marches, vous arrivez devant les miliciens qui sont à la palissade. Il enlève sa hache, il enlève son couteau. Tu peux confirmer que ce sont des armes qui ont servi, qui sont anciennes, qui ont été réparées plusieurs fois. Ce monsieur n'est pas petite main dans un atelier Chanel. Il s'en sépare un peu à contre-cœur, t'as l'impression qu'il doit pas aimer être faible, être sans armes. Mais bon, c'est pas comme s'il avait le choix. Et une fois qu'il a donné son couteau et sa hache, il te dit j'ai plus rien. Bah, si vous permettez, je vais vérifier. Il écarte les bras. Ah bah, je le fouille. Consciencieusement. Tu le fouilles. Alors, il a sur lui beaucoup d'objets qui ne sont pas des armes par nature, mais qui pourraient être des armes par destination. Par exemple. Tu vas trouver dans une de ses poches un petit marteau. Tu vas trouver des trucs pointus. Alors, qui ne servent pas à attaquer, hein, mais dans les mains de quelqu'un qui sait s'en servir, un truc pointu est un truc pointu, hein, par exemple. Voilà. Il a un attirail de survie assez complet sur lui, complètement artisanal. Il a des petits... Alors, t'as l'impression que c'est des crochets. Tu vois pas bien à quoi ça peut servir, mais c'est des crochets, c'est taillé en os, c'est taillé à la main, mais c'est bien pointu, bien effilé. Pour faire des pièges, par exemple, ça peut être très pratique. Par exemple, voilà. Ou pour se fabriquer une arme de fortune, si t'as un souci. Alors, ne le prenez pas mal, mais je vais vous demander de laisser tout ça ici. Vous récupérerez tout à la sortie. Je comprends. Il vide ses poches, complètement. Autant dire que sur la table, il y a un bric-à-brac assez impressionnant de conneries. Si on observe le groupe, personne réagit bizarrement ou au contraire n'est trop tranquille par rapport aux autres? Vous êtes hors de vue. Vous êtes hors de vue. Eux, ils sont en bas dans la cuvette. Vous êtes... Enfin, tu vois, eux, ils sont dans le camp et vous êtes de l'autre côté de la palissade en haut, quoi. Et une fois qu'il a l'air complètement démuni, en tout cas... Je vérifie qu'il a rien, par exemple, glissé dans sa botte ou des choses comme ça, quoi. Il enlève ses bottes. Alors, l'odeur n'est pas très agréable. Évidemment. Ses pieds sont pas non plus dans un état formidable. Mais non, il n'y a rien dans sa botte. Bon, bah, c'est très bien. C'est parfait. Merci. Suivez-moi. Je vous suis. Vous allez où? Ben, direction la maison d'Altea. Vous arrivez devant la maison, vous montez les petites marches en bois. Je laisse quand même Altea ouvrir sa propre porte. Hein. C'est un peu chez elle quand même. Ton écureuil bondit d'un pot de fleurs dans lequel il était tapi en embuscade sur ton épaule. Il te prévient quand même qu'il y a quelqu'un derrière toi. Non, il y a deux quelqu'un derrière moi. Ouais, mais non, il le connaît, tu vois. Il y en a un, ça va, et il pue, mais il vient souvent, donc ça va. Mais l'autre, il pue et il vient pas souvent. Vous rentrez dans ta petite maison coquette.
Et toi, même toi, William, ça te fait bizarre de chaque fois que tu rentres dans la maison d'Ambre. Qui est maintenant la maison d'Altea, Ouais. Ouais, mais dire comme elle a pas tout démoli et tout repeint, les meubles sont les mêmes, les livres sont les mêmes. Quelque part, il doit y avoir une malle avec ses objets au-dessus de la cheminée. Voilà, il doit y avoir une malle avec ses vêtements, très certainement. Ouais. Il rentre lui, il regarde autour de lui. Il doit pas avoir l'habitude de rentrer dans des jolies maisonnettes. Et du coup, il a l'air complètement maladroit, d'un coup d'un seul, comme s'il avait peur de salir, tâcher, de casser quelque chose. Il se fige un peu, il se tient un peu immobile sur le pas de la porte. Non mais il peut rentrer. Il veut un thé ? Un quoi ? Un thé. De l'eau chaude avec une infusion de plantes. Ah, si vous avez une bière, je préfère. Ouais. J'en ai encore. Mais je crois pas. Je suis pas sûr, je pense pas en avoir refait depuis le temps. Exactement, il y a plus d'auberge. C'est ça. Ah. Quand je propose j'ai cru ça. Si vous avez pas, je prendrai votre truc, c'est pas grave. Au moins, ça tient chaud. C'est chaud, c'est ça. C'est ça, c'est une boisson chaude. Je ferai tremper un rat dedans. Non, je dois avoir des petits pains aussi qui traînent. On va rapporter du pain. On va lui proposer de s'asseoir. Il s'assoit très. Après avoir vérifié que la chaise n'allait pas craquer sous son poids, il s'assoit. Ouais, un beau gaillard. C'est joli chez vous. Bien sûr, on a été suivi par notre chasseur confirmation. Qui est dans la pièce avec vous, dans un coin. Voilà. A-t-il un nom ? Alors, il se présente. Vous pouvez l'appeler Bancroft. Bancroft, ok. Voilà. Et il vous explique que s'il a eu un nom plus long que ça, il le connaît plus. Ok. Alors, mon brave, présentez-vous un peu, s'il vous plaît. Vous venez d'où ? Du coin. J'ai bourlingué pas mal. J'ai l'impression que je suis en train de passer un entretien de recrutement. C'est presque ça. Je suis un... Je sais pas comment on peut appeler ça. On va appeler ça un forestier. Je vis dans la nature. Je vends ce que je fabrique. Ce que je chasse. Je le troque. Je vivais ma vie comme ça, quoi. Et c'était où ? Un peu partout. Je suis déjà allé jusqu'à Locronan, Greist. Un peu au nord, mais c'est une sale région. Pas très candidat. Je suis allé au sud de la capitale aussi. Ah. Enfin, ça dépendait des opportunités, ça dépendait de combien de temps il fallait que je m'éloigne d'une région ou d'une autre. C'était fonction. Quand j'avais trop fait de bêtises à un endroit, j'allais ailleurs, tout simplement. Ah ouais, des bêtises. Quel genre de bêtises ? Il y a des endroits où on chasse pas comme on veut. Il y a beaucoup d'endroits où on chasse pas comme on veut. Exactement. Eh ben, moi j'y allais quand même. Parce que curieusement, c'est les endroits où il y a les meilleures prises. Ah, j'ai récupéré des trucs de ci, de là. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ça fonctionnait plutôt bien en fait. Et on va dire que, vous savez, quand la garde vous tombe dessus, il y a toujours moyen de s'arranger, quoi. Vous avez de la marchandise intéressante, quelques pièces sur vous,
Les gars de la garde, ils sont pas contre améliorer un petit peu leur ordinaire. Hein, on arrive à s'arranger, ils ferment les yeux, je m'en vais, je vais ailleurs. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, quoi. Je reviens quand ils m'ont oublié, quoi. Et là, ils m'ont serré à Grist. Je venais de revendre deux trois trucs et j'ai commencé à... Enfin, voilà, à leur expliquer qu'on pouvait peut-être trouver un moyen de s'arranger. Et voilà, je sais pas, j'ai pas dû tomber sur les bons parce que ça avait pas l'air de trop les intéresser. Mais ils m'ont proposé un autre marché qui était pas trop à mon goût. En gros, c'était soit je partais pour les geôles, soit j'acceptais de m'engager. D'accord. Pour un an. Et c'est pas trop mon délire, on va dire ça comme ça. Donc j'ai leur fait croire que ouais pourquoi pas, on a bu un coup ou deux et puis j'ai réussi à prendre la fuite. Et comme j'avais entendu parler d'ici, ah, et puisqu'apparemment j'arrivais plus à m'en tirer en leur filant deux trois trucs quoi. Et que je vois pas bien comment vivre à part vivre comme ça, je me suis dit que je pouvais venir voir si ce qu'on disait était vrai. Et vous avez entendu quoi exactement? Sur vous? Ah, oui. Sur ici. Sur Ament? Bah, les gardes disent que vous avez tenu une troupe en échec. Vous l'avez repoussé. Et savoir que des gardes viennent attaquer le village, ça vous a poussé à venir ici? Ben, dans la mesure où ces mêmes gardes me recherchent pour soit m'arrêter, soit m'enrôler de force. C'était pas bien grave alors. Autant tenter mon affaire ici. Si vous avez repoussé une fois, vous le repousserez peut-être deux fois. Vous avez peut-être un plan, un truc, je sais pas moi. Je me dis que vous avez sûrement pas fait ça pour rien. Et au pire... Tout à fait. Au pire, je me casse et je fais ailleurs. Hein. Mais pourquoi pas commencer ici? Vous savez, par rapport à vous et vos compagnons d'infortune... Nous, ce qui nous intéresserait, ce serait d'accueillir de nouveaux habitants du village. Vous verriez habiter le village? Vous verriez devenir un membre de cette communauté? Avoir une maison comme ça? Non, peut-être pas. Pas une maison comme ça, non. Celle-là est un petit peu particulière. C'est celle de l'écureuil, là. Je vais pas vous vendre ce qui existe pas. Je n'ai jamais posé mon cul nulle part. Je balade. Je peux rendre des services. Je suis pas le roi pour risquer ma peau pour les autres. C'est pas. Je peux pas comprendre comme ça. Ça. Je suis pas vous comme ça. Vous inquiétez pas. Mais je rends des services. C'est donnant donnant. Vous savez, c'est comme ça que je marche. Vous donnez, je donne. Tout le monde est content à la fin. Que je reste pas. Moi, si vous m'offrez de la sécurité, dites-moi simplement comment je vous paye en retour. Vous voyez à peu près ce que je peux faire. Quelqu'un comme vous peut être très utile pour le village. Vous savez vous débrouiller, vous aurez trouvé de la nourriture. Je connais des tas d'endroits, des tas de chemins. Ici. J'ai des tas de planques. Je peux me faufiler dans plein d'endroits. Il y a même des gardes que je connais. Hein. On a déjà fait affaire, quoi. Donc ils aimeraient pas que ça se sache. Où ça, par exemple? Où ça, quoi? Les gardes que vous connaissez. Ah bah, enfin, en gros, ceux du rempart ouest.
Enfin, ceux qui patrouillent partout, quoi. Et comment pouvons-nous être sûrs que vous n'avez pas passé un marché avec les gardes qui consisterait à récupérer des informations à notre sujet et à leur redonner durant vos allées et venues ? Un regard perçant, appuyé par l'écureuil. Alors tu le vois un peu perdu, parce qu'il réfléchit apparemment. Je sais pas lire, je sais pas écrire. Oui, enfin, ça se transmet aussi en se retrouvant dans des lieux tranquilles. Durant les allées et venues, quand on chasse, on va à droite à gauche, on n'est pas constamment surveillé. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je pourrais apprendre des choses, c'est ça. Que je pourrais apprendre des choses et puis aller leur raconter. Oui, je pourrais, ouais. Vous voulez que je vous jure que je le ferai pas ? C'est ça ? Ça peut être un début. Non, mais je suis pas... Si je jure, alors là... Je sais pas lire, je sais pas écrire, mais je suis pas complètement un idiot. Mais je pense que... Si vous cherchez un espion, lui, il doit savoir lire et écrire. Ça pourrait aider, en tout cas. Ça serait plus simple. Et sinon, entre joueurs, hein, ma chère Althea, rien ne l'empêche de dire qu'il sait pas lire et pas écrire et qu'il sache lire et écrire quand même. Hein. Oh, le salaud ! Voilà. T'as aucun moyen de prouver que tu sais pas lire et écrire. Il y a rien de plus simple que de faire semblant de pas savoir lire. Si tu prends une bouteille marquée poison et tu lui fais boire, voilà. Buvez ça, mon cher. Voilà. Et puis si là tu vois qu'il tique, bah tu comprendras. Bah c'est une méthode. Hein. C'est une méthode. Prends une bouteille marquée poison et vas-y. J'ai pas de bouteille marquée poison. Non mais écrit qui écrit poison sur sa bouteille ? Non mais c'est une très bonne méthode. C'est une très bonne méthode. Oui, sauf que tous non, les espions savent qu'on n'écrit pas poison sur une bouteille. J'assure, on fait pas ça. Oh mince, je m'a trompé. Bon, moi je serais pour lui poser des questions par rapport aux autres. De ce qu'il a pu voir, puisqu'il a eu le rôle de pseudo-patriarche. Il a donc pu, à loisir, observer les autres, et ça pourrait être intéressant de savoir ce qu'il a pu voir ou entendre. Qu'en penses-tu, très cher comparse ? Men. Moi, j'aime bien le personnage. Men, pas obligation. C'est pas une obligation, hein, tu ah, sais. Ah non, mais c'est très bien. Althea est mais derrière le miroir sans teint. Hein, n'est-ce pas ? Elle est dans la pièce à côté, derrière le miroir, et elle fait des commentaires à voix haute sur ce qui se passe dans la salle d'interrogatoire. Donc, on me dit dans l'oreillette que... Voilà. Et quel est ton nom, déjà, pour commencer ? Encore ? Bah, c'est Bancroft. Quoi ? Il l'a pas dit, non ? Si, non, mais Bancroft, c'est celui qui... Non mais c'était pas celui qui nous accompagnait le... Je croyais que c'était celui du village qui nous accompagnait pour poser les questions, Bancroft. Non, Bancroft. Ah c'est lui, Bancroft. C'est le... oui. C'est lui. Ah d'accord. Ah non, j'avais pas suivi. C'est lui, pardon. C'est lui. Oui, Bancroft qui se rappelle pas s'il a eu un nom plus long. D'accord. Non, j'avais pas suivi que c'était lui. Ah, ok. D'accord. Okay. Non, il a pas de nom, le gars du village. D'accord, ok. Mais voilà, je me demandais. On... Mais... on va l'appeler Patrick. Allez, Patrick. PNJ. Alors bonjour PNJ. Ouais. Et sinon Bancroft, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter par rapport à vos compagnons d'infortune depuis une semaine que vous êtes avec eux? Qu'est-ce que vous avez pu voir ou entendre? Lesquels savent lire? Lesquels savent lire? Il y en a que deux. Le couple. Mais ils viennent,
Ils viennent de la ville, alors je sais pas laquelle, hein, mais ils viennent clairement de la ville, ceux-là. D'ailleurs, ils sont un peu perdus. Ce que je peux vous dire sur eux tous, ils ont peur. Ça se sent. Ils sont morts de peur. La femme avec la gosse, elle a perdu son mari et son fils. Le mec tout seul, il vit tout seul. C'est un pêcheur. Les deux qui savent lire, ils étaient aubergistes avant. Ils sont plutôt de bonne composition. Ils sont même un peu bavards. En fait, ils essayent de... Pas de mettre l'ambiance, hein, c'est vite parlé, mais... ils essayent d'apporter un peu de joie de vivre, quoi. Et elles cuisinent bien. Ça correspondrait à leur métier, pour le coup. Mm-mm. Non, non, mais c'est, ils savent tenir un camp. Enfin, ils ont organisé pas mal de trucs. Et j'ai cru comprendre qu'ils avaient tout perdu. Comme beaucoup. Oui, ça je vous le confirme. Non, le plus, enfin, celui qui a le moins de raison d'être là, c'est le gars. C'est le gars tout seul. Il nous est tous arrivé des cointes. C'est le seul à qui il n'est rien arrivé. Il n'est rien arrivé et il est là. Ouais. Étonnant. Mauvais espion. Il a dit que ça commençait à puer et que il était peut-être temps de se mettre à l'abri. Marc, c'est peut-être pas con, hein. Quand même, les pêcheurs disent que ça commence à puer. Ah, c'est un pêcheur. Ouais. Ouais. Mmh. Je sais pas grand-chose de plus, hein. La gamine est mignonne. Sa mère, elle est un peu... C'est la poupée. Ah, la poupée est vivante, elle espionne. Sa mère est un peu dans son chagrin et un peu en mode survie. Il faut que je m'occupe de ma fille. Mm. Ça a tous l'air d'être des gens bien, sinon. J'en ai pas vraiment vu un bizarre. Si c'est ça que vous cherchez, je suis peut-être le plus bizarre de tous. Et pendant une semaine, personne ne s'est éloigné du camp. Ah, c'était interdit. Personne. Oui, même je sais. Mais la question, c'est est-ce que quelqu'un s'est éloigné du camp ? Non. Pas que j'ai vu, en tout cas. Et puis, vu les bruits bizarres qu'il y a la nuit, ça encourage pas. Il vaut mieux pas en ce moment, ouais. Je ne le cache pas. Oui, c'est plutôt déconseillé et pour votre propre bien, ouais. Quand vous aurez l'occasion d'interroger la gamine, elle vous en parlera mieux que moi. Elle croit qu'elle l'a vue. Ah. Mais enfin bon, c'est une gamine, donc... je sais pas jusqu'à quel point est-ce qu'on peut lui faire confiance, quoi. Nous avons nos petites idées, alors on va voir et comparer avec ce qu'elle aura vu. Mais il y a quelque chose, oui. Mmh. Oui. Et ce n'est pas un troll. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on aimerait bien que vous ne restiez pas à l'extérieur pour votre sécurité. C'est vous, vous êtes dans le village, il y a la palissade et tout. Nous, on entend des bruits toutes les nuits. Mmh. Bah, c'est pour ça qu'on fait ça, pour que justement vous soyez au plus vite à l'abri. Est-ce que vous avez autre chose à me demander ? Non, non, bah les... Enfin, vous êtes venu avec juste ce que vous aviez sur vous et qu'on a laissé au campement, c'est ça pour l'instant ? Oui, oui, moi j'avais rien. D'accord. Mais personne n'avait rien. D'accord. Personne n'avait. Vous verrez bien leur histoire, mais tous les gens qui sont là n'ont rien. Est-ce que quelqu'un a... fouiller les gens quand ils sont arrivés, quand ils se sont installés ou pas ? Ou fouiller le camp ?
très sommairement. En fait, tout ce qu'il y a dans le camp, c'est vous qui nous l'avez donné. D'accord. Donc quand on arrivait, il n'y avait pas grand-chose à fouiller. J'étais peut-être le plus équipé. D'accord. Ben, on va le raccompagner. Vous le ramenez, vous sortez de la maison d'Altea et il y a une sorte de clameur dans la rue. Et vous assistez au spectacle un peu risible, s'il en faut, d'une fille du village que vous connaissez, qui habite la maison en face, qui est en train de lancer des objets sur son mari, en le traitant de tous les noms. Il y a une espèce de, voilà, de, on dirait d'engueulade d'amoureux. D'engueulade d'amoureux en quelque sorte, et il essaye de lui parler, et elle a l'air verte de rage, et lui balance tout ce qui lui tombe sous la main, ce qui fait un petit peu sourire le gars avec qui vous êtes. Vous ramenez monsieur au campement, tout le monde le voit revenir, et il fait un petit signe du genre tout va bien. À vous de désigner. Avant ça, j'aimerais bien aller voir un petit peu ce qu'il en était du lançage d'objets là. Avant d'entamer un deuxième entretien, d'aller un peu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors personne ne sait trop, hein, puisqu'ils sont les deux sont en train de s'engueuler, donc personne ne sait ni pourquoi, ni quoi, ni qu'est-ce. Donc, mis à part te jeter au milieu de la bataille, t'as rien à faire. Hein. J'arrive au milieu, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, tu es un homme adroit. Tu arrives donc à éviter une miche de pain qui était plutôt dans ta trajectoire et qui manque de te choper au niveau de la tête. La nana remarque à peine qu'elle a failli te choper dans la foulée. Tu saisis quelques bribes de ce qu'elle est en train de raconter. Elle est en train de dire que son mari a dépensé en gros l'argent des courses, qui a mystérieusement disparu. Certainement pas en course, mais peut-être plutôt en boisson ou plutôt en jeu avec ses camarades d'Oker. Le mec essaye de lui répondre que non, absolument pas. Il n'a pas touché à l'argent, il n'a pas dépensé, il n'est pas allé boire. Et ça s'engueule. C'est tout. Ah, c'est un des dockers, le gars? Ou c'est un pote des dockers? Il travaille au dock. Donc tu le connais? Bah, je devrais le connaître. Il l'a déjà vu, oui. Bah, je prends le gars à part. Et justement, je dis à la femme, je vais tirer ça au clair. Elle te pousse, alors, autant qu'elle le peut, puisque tu es plus fort qu'elle. Ceci étant, elle te flanque un coup de coude dans la joue. On se calme. Je vais regarder ça. Ok. T'as pas le temps de terminer ta phrase, que tu te prends une belle insulte, que t'es gentil de t'occuper de tes oignons, que ça te concerne pas, que de toute façon tu vas le protéger lui parce que il bosse pour toi, et que on connaît tes habitudes, on sait très bien où tu traînais avant, donc c'est peut-être pas le moment de la ramener. Et que peut-être que le jour où tu seras marié et que tu auras une femme, tu pourras ouvrir ta gueule et que pour l'instant, t'es gentil, tu rentres chez toi. Voilà. Et j'en ai rien à foutre et je m'éloigne avec le gars. Voilà. Elle lui hurle de revenir. Est-ce que tu peux me lancer juste comme ça pour le fun, un sympathique des vins? Juste en ouais. D20 comme ça, je veux bien voir le résultat. Ça me semble pas si fun que ça. Ok. C'est un doute. Je n'ai rien de plus à dire.
Ok, donc je prends le mec entre quatre yeux, je le tiens bien par les épaules, je lui fais mon regard le plus aimable, et je lui dis, alors, maintenant tu me dis très exactement, tu l'as utilisé cet argent ou pas ? Tu mets un temps fou à arriver à le calmer. Il est surexcité, mais t'as l'impression que tes propos n'arrivent même pas dans ses oreilles. Il faut vraiment un certain temps avant qu'il arrête de parler, ou de regarder par-dessus ton épaule, ou de parler à la poutre ou au plafond pour dire que sa femme, il en peut plus, voilà, sur les nerfs, quoi. Ceci étant, il finit par descendre un petit peu en pression, et tu comprends à demi-mot que non, il n'est pas touché à l'argent, c'est pas lui. De toute façon, c'est toujours sa faute. Voilà, c'est toujours sa faute que ça commence à bien faire et que si ça continue, il va gentiment aller voir ailleurs s'il y est, parce que avoir une femme pareille ou pas avoir de femme, honnêtement, il se demande ce qui est le mieux. Alors, les problèmes de couple, je veux bien croire que c'est compliqué, et ça, tu les géreras comme tu voudras et comme tu pourras. Mais par contre, s'il y a de l'argent qui disparaît, ce serait bon de le savoir. Parce que on a bien assez de problèmes comme ça pour ne pas avoir des voleurs dans le village en plus. Non, donc, mais je suis sûr qu'elle a perdu. Je suis sûr qu'elle a perdu. Perdu. Ça arrive perdu, souvent qu'elle perde de l'argent. Non, mais pour le coup, il est plus là où il était. Donc, il est peut-être tombé. Elle a mis dans une poche. Enfin, va savoir. C'est la première fois que ça arrive. Oui, mais je te parie qu'il réapparaît demain. Et voilà, elle aura l'air bien conne. Que je n'apprenne surtout pas que tu m'as raconté des conneries et qu'en fait, tu as utilisé cet argent pour aller jouer ou je ne sais faire quoi. Non. Promis, c'est pas moi. Si j'apprends que tu m'as raconté des conneries, je sais où te trouver. Et je te plierai en 12. Si je t'ai menti, je paie ma tournée. Non, si t'as menti, tu auras plus de dents pour pouvoir me parler. Oh, c'est bon, monte pas sur tes gros. Non, y a pas de c'est bon. J'espère que tu es très très sûr de toi quand tu me dis que tu n'as rien fait. Ben, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Ok. Ok. Alors je le laisse. Il retourne pas tout de suite chez sa femme. Je veux bien le croire. Je vais aller voir sa femme, qui m'a copieusement insulté. Elle cherche. Ah bah, c'est parfait qu'elle cherche. Ou bien elle s'énerve. Donc, je l'appelle. Madame ? Ouais, j'aimerais bien, mais j'ai pas ce qu'il faut sous la main. Donc, en attendant, ton mari me dit qu'il n'a rien fait. D'accord ? Donc, soit il n'a rien fait et il va garder toutes ses dents, soit il a fait quelque chose, et t'inquiète pas, je te laisserai ta part, mais il aura droit à ses mandales. Donc, ton argent, soit il a été perdu, et dans ce cas, c'est ta faute, soit il ne l'a pas été, et quelqu'un l'a volé. Et j'aimerais bien savoir si c'est l'un ou l'autre, parce qu'on a assez d'emmerdes dans le village pour pas avoir des voleurs en plus. Alors, je vais compter sur toi pour fouiller, et trouver, ou pas. Et que tu me dises ce qu'il en est. Ah bah écoute, on verra ce qui aura atteint ses oreilles, hein. En attendant. Et donc il y avait du monde à trouper dehors. Bien sûr. Bah je vais en profiter pour aller voir... Ouais, j'imagine bien. Donc je vais aller voir un petit peu le monde qui a troupé dehors, et je leur pose la question, et vous ? C'est bon, il n'y a rien qui vous manque à part le spectacle ici.
Ah, moi, j'ai rien fait du tout. Mais par contre, il serait bon que tout le monde garde l'œil ouvert, qu'on n'ait pas des choses qui disparaissent ou des gens qui trouvent que c'est une bonne idée de faire des conneries en ce moment. On ne sait pas. Mais en tout cas, gardez l'œil ouvert. Et il vient d'où, doucement? Ouais. Oh, j'ai autre chose à faire que de faire mon William. C'est pas grave. Donc pour le coup, je laisse cette populace et on s'en retourne au camp. Je serai assez pour la mère et l'enfant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas pour. Allez. J'aurais demandé quand même à Althea de bien vouloir fouiller cette dame et l'enfant. Quand même. Pas sommairement, parce que c'est vraiment pas mon fort, ça. Bah, y a pas de sommairement, tu fouilles. Navré, je sais même pas comment faire, j'ai jamais fouillé personne, moi. C'est pas grave, tu touches partout, voilà. On va la casser en deux pour voir ce qu'il y a dedans. Comment elle s'appelle? La poupée. Oui. À la poupée, elle demande ou à moi? Althea? Elle n'avait pas de nom avant? Pourquoi? Tu l'as depuis quand? On va aller se mettre au chaud et boire un thé. Hein.
Alors je sais que vous avez traversé des moments difficiles et désolé de devoir vous les rappeler, mais il faut qu'on sache d'où vous venez et qu'est-ce qui vous est arrivé. Elle a le nom du fils de la griffe ou pas? En question, parce qu'on pourrait vérifier l'info auprès de lui. Oui. Elle est arrivée avec un fils de la griffe. D'accord. On peut vous demander vos noms quand même? Pour les archives. Et là, j'ai Avika, histoire de la faire parler d'autre chose de Flo. Ok, juste. Qu'elle la regarde un peu. Elle a 6 ans. Ouais, je sais. Je sais.
trois fois ton âge. Presque quatre. Panache ? C'est un écureuil. Il est vraiment vivant, je veux dire, lui. Ah ouais ? Oui. Vrai ? Et qu'est-ce qu'elle te raconte ? Il faut jamais faire ça avec Panache, par contre. Hein. Pas très très content. Bon. Et on m'a dit que tu as, on m'a dit que tu avais vu des choses, Vika. Des depuis choses que dans tu la es forêt. Au il reste une patte de fruit quelque part que de l'écureuil n'aurait pas fini. Je vais la porter à la petite fille. Alors, je sais que ça t'a fait peur, mais ça nous fait peur aussi, et on a besoin de savoir ce que tu as vu, pour qu'on puisse s'en occuper, pour que tu n'aies plus besoin d'avoir peur. Ouais. On va commencer à lui décrire une vision de cauchemar, ça va l'aider. Est-ce qu'on peut alors, trouver ce n'est un, pas genre, un genre papier et fusain, quelque chose comme ça, pour qu'elle puisse dessiner? C'est souvent plus simple pour les enfants de dessiner. Il était gros, donc. Comment ses gros yeux? Est-ce qu'il brillait? Est-ce qu'il luisait? Est-ce qu'il était comme ceux des chats? Est-ce que... Il avait une couleur particulière. Tout noir. Dit quelque chose comme créature ou absolument rien. Ouais. Est-ce qu'elle l'a vu à côté d'un arbre ou à côté d'une maison ou à côté de quelque chose? Était dans l'arbre. Enroulé dans l'arbre ou comme une chouette sur une branche ou comment? Ouais, donc, pas forcément c'est grand, si grand mais suffisamment ça. Petit pour pouvoir être caché dans les branches. Et pas péter toutes les branches en étant dessus. Contrairement au troll. Est-ce que tu te souviens de quel arbre ? On peut peut-être aller voir ça ? À moins qu'on ait d'autres questions ?
Non, on peut pas la laisser là toute seule. Ben, tu vas être gentil avec la fillette, alors. Tu sais, ouais, je vais accompagner la fillette. Toi, tu vas rester avec madame. Mais attention à toi. Bon, après, t'es pas toute seule. Il y a aussi PNJ qui est avec toi, mais... Il y a Panache avec moi. Ouais. Je vais demander à la petite fille, est-ce que tu veux bien m'accompagner jusqu'à l'arbre pour me le montrer? Non, non, j'envoie Patrick avec eux, hein, parce qu'il faut quelqu'un de gentil, il y a un enfant impliqué. Ah, bah Patrick restera avec le PNJ. Tiens. Ah, et l'autre. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Emmenez Patrick. D'accord. Et ce cimetière est donc hors du village. Ok. Alors, est-ce que je pourrais utiliser, je sais pas, perception ou observation Non, perception donc, parce que je vois pas. Pour voir s'il n'y a pas des griffures, des marques quelconques, des plumes, des poils. Fouille. Ah, fouille. D'accord. Des poils, des plumes, quelque chose. Des poils. Noir alors? Ah, d'accord. D'accord. Bah, je vais les emmener avec moi pour pouvoir montrer ça à notre chère Althea. On dit on a un écureuil garou. Droit ça. Non, j'ai essayé de discuter avec elle, voir un petit peu quelles compétences elle aurait pour être. S'il y a des choses qu'elle aime faire plus dans cette optique-là, enfin. Peut-être avec le temps. Mais pour l'instant, ouais, non, ok. Ah ben. Donc je crie à Althea.
Ouais. T'as la même couleur que Altea, Panache? Bon, bien réfléchissement avec cette touffe de poils et la taille que ça doit faire à peu près. Ah oui, s'il se transforme en écureuil garou la nuit, je comprends que ça le perturbe de tomber sur sa touffe de poils. Mais tu fais pas un jet en connaissance pour voir un peu? Ou je sais pas. Ça servira à rien. Bah, on fera des recherches un peu plus Et tard. En y a attendant, pas je me mets dans. Il n'y a pas un bestiaire dans la maison? Ouais, mais si on a un, on va pas faire de recherche là maintenant tout de suite. Donc ça va aller dans non, une non, boîte. Non, mais ça pourrait être fermée. Intéressant de savoir s'il y en a un. Ouais, mais on fera une recherche un peu plus tard quand même. C'est des recherches à l'ancienne. Oui, forcément. Pour l'instant, la boule de poil. Pour l'instant, la boule de poil va dans une boîte bien fermée pour arrêter de stresser l'écureuil. Ah là là, s'il pouvait nous parler. Ouais. Et je ramène Vous me d'autres cassez pâtes les de fruits. noisettes, hein. Non, tu n'as pas rêvé. Il y a quelque chose, et on va essayer de savoir ce que c'est, et on va s'en occuper. On va juste faire un câlin sur la joue. Faut pas déconner non plus. Je sais pas où a traîné la poupée. Hein. Merci, Patrick. T'as plus de questions, Altea? On va pas vous ennuyer plus longtemps. Je pense qu'elle resterait bien ici aussi longtemps que tu veux. On va faire tout notre possible pour que ce soit le plus rapidement réglé, mais il faut que vous compreniez qu'on doit prendre des précautions. Nous ne sommes pas dans une situation facile. Bien. Je voudrais le couple d'aubergistes. Non, j'ai pas ça dans mes cartes pioche.